Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai ma nouvelle petite caméra. Bon, c'est quand même une caméra, c'est pas de très grande qualité, mais elle fait le travail quand même. J'ai voulu investir là-dedans parce que j'aime ça avoir une communication avec mon monde, parce que c'est important. Et puis, autant que la massothérapie que le Qigong, quand les gens sont à l'aise avec moi, qu'ils ont confiance, ça veut dire que le travail va se faire puis ça va bien aller. Si les gens n'ont pas confiance en moi ou bien il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous savez, passez votre chemin. Donc, il n'y a rien de mal à refuser quelque chose en acceptant une autre. Donc, pour moi, c'est très, très simple. Si, comme en Qigong, l'énergie, je vais expliquer le Qigong, c'est cultiver l'énergie. Pour avoir une bonne santé, il faut garder notre énergie pour nous, pas la donner aux autres, mais il faut la cultiver comme un jardin. Et puis, ça se fait par des mouvements spécifiques. Repousser le singe, aller chercher la lune, filer la source, tous des mouvements que je fais, moi, depuis 25 ans, qui m'aident beaucoup à avoir une meilleure santé, mais aussi. Au niveau du mental, le Qigong, ça renforce le mental, ça nous amène à prendre des décisions, à faire les choses mieux qu'on les faisait avant. Plus de calme, plus de sérénité, c'est très bon pour la santé globale. Donc ça, c'est une vieille technique de 3500 ans. Certains amis à moi se moquent un peu de ça parce que c'est des mouvements et c'est bizarre. Mais moi, je peux vous dire que c'est une technique qui est bonne. Puis en ce moment, les gens qui ont une bonne force mentale, eux, vont être capables de passer à travers ce qui se passe avec la COVID avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme, même si tout arrive tout croche. Se centrer, être bien. C'est pour ça qu'en ce moment, toutes les médecines alternatives sont fortes parce que les gens ont besoin de quelque chose de naturel, moins de chimiques, moins de ci, moins de problèmes, des choses un peu plus simples. Puis aussi, en Qigong, c'est des mouvements simples. Quand vous simplifiez votre vie, c'est beaucoup plus facile. Donc, ceci, cette petite parenthèse-là, c'est important parce que moi, j'aime bien communiquer avec les gens qui sont à l'aise avec moi s'il est bien, puis c'est pas d'énergie qui passe comme je dis souvent. Faites autre chose, allez ailleurs, vous n'aurez pas besoin de moi pour des choses un peu globales, mais des choses techniques spécifiques, ça, je peux vous donner un petit coup de main. Pour améliorer la vie, moi, je suis un conseiller. Je suis un conseiller. Je conseille des choses aux gens, puis après ça, les gens le font, mais s'ils ne le font pas, puis il n'y a pas de résultats, ben ça, c'est notre affaire, ça vous regarde. J'aime bien la massothérapie, j'en fais depuis 2005, c'est une de mes passions. Moi, je fais des traitements à votre domicile, ça dure une heure. Je suis reconnu par Réseau Plus, qualifié diplômé de la région de Sherbrooke. Et puis aussi, le Qigong que je viens de parler, ça aussi, je donne des ateliers de Qigong, ça j'aime bien. J'ai le fait avec des personnes handicapées, surtout avec des femmes. Je trouve que les femmes, ils sont très, très... pour le Qigong, ils sont vraiment disciplinés, puis comment je pourrais dire, pas en anglais, j'allais dire on the right track, mais c'est des femmes aiment faire des choses qui leur font du bien, puis ça paraît. Donc, j'ai mes étudiantes, 88% du temps, c'est des femmes. Donc, c'est bien pour les cours que je donne. Comme je dis, personne handicapée, personne, entre parenthèses, soit disant normal, qui aurait une bonne santé ou ce qui veut l'améliorer, je peux le faire. L'autre chose aussi, c'est l'autre passion, c'est le ski de fond. Inquiétez-vous pas, là, je fais pas de publicité pour Swix ou pour Helly Hansen. C'est des vêtements que j'utilise pour le ski de fond, mais que pour mon travail. Comme aujourd'hui, j'ai un petit boulot à faire chez des clients privés, donc je vais y aller tout à l'heure. Mais le ski de fond, c'est une passion. Juste pour vous indiquer que j'en ai fait dans l'armée, du biathlon, ski de fond, donc de assez haut niveau. Conseiller technique. Le pas de patin V1, V2, le pas décalé en montée. Aussi, moi, je suis spécialiste en double poussée, un petit peu de classique. Donc là aussi, ça dure une heure et quart. Il y a même des vidéos disponibles que je peux faire avec vous parce que quand on fait une vidéo, quand on est nous-mêmes, on se regarde nous-mêmes, on pense qu'on fait un bon mouvement, mais la vidéo nous fait voir comment on pourrait installer nos épaules, nos bras, comment mieux être techniquement. Et aussi au niveau du fartage, parce que bien entendu, les gens dépensent de l'argent pour des skis à 700$, mais ils mettent rien sous les skis. Donc ça, si vous voulez que vos skis aillent bien, il faut de la cire, là aussi je peux vous conseiller. Donc, vous pouvez me rejoindre, il n'y a pas de problème, je suis un gars assez facile pour communiquer. Donc, je vais laisser mes informations. Communiquez-moi si ça vous tente, donc dépêchez-vous parce que le temps des fêtes arrive, donc là, si vous voulez avoir une place intéressante, donc communiquez avec moi. Je vous laisse sur ce. Ciao, et n'oubliez pas que le naturel est mon terrain de jeu. Salut, bye.